I was 16 years old in 1942. If you had 1/16 Japanese blood, even if you were a baby in an orphanage, you were put in an orphanage in one of the camps. This was based on race. Were considered disloyal by the government and then transferred to the maximum security Tule Lake segregation center in Northern California. And this is where I was born. Ok. On est en 1942. Cette année-là, Dorothée Allenge, une photographe de 47 ans, principalement connue pour ses photos réalisées pendant la Grande Dépression, vient d'être engagée par une organisation gouvernementale nommée la War Relocation Authority pour un boulot un peu spécial. Elle est envoyée dans l'Ouest américain, au milieu de nulle part, pour photographier une opération menée après un décret signé par le président des États-Unis. Elle se retrouve dans l'un de ces mystérieux endroits construits en quelques semaines par l'armée. Dans ces lieux, présentés comme des camps de réinstallation, Dorothée Allenge découvre des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants enfermés par des murs de barbelés. Toutes sont d'origine japonaise. La photographe vient de réaliser qu'elle se trouve en plein cœur des États-Unis, à l'intérieur d'un camp de concentration. Au lendemain de l'attaque contre Pearl Harbor, la peur que le pays ne soit infesté d'espions et de saboteurs à la solde de l'Empire du Japon se propage dans toute l'Amérique, jusqu'à la Maison Blanche. Pour répondre à cette paranoïa, le président Roosevelt va prendre l'une des décisions les plus discutables de l'histoire des États-Unis. En allant à l'encontre de la Constitution américaine, il signe un décret qui va conduire plus de 100 000 personnes à être enfermées dans des camps de concentration sur la seule base de leur origine. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi est-ce que le pays qui au même moment prétendait combattre au nom de la liberté s'est-il mis à enfermer ses propres concitoyens? Et c'était quoi au juste ces camps? À quoi est-ce qu'ils servaient? C'est plein de questions intéressantes auxquelles je vais essayer de répondre aujourd'hui. Voici l'histoire des camps de concentration américains. Et avant de continuer, vous l'avez sans doute vu, mais dans cette vidéo, il y a encore une fois des animations et des cartes qui sont trop cool. Sauf que le souci, c'est que quand moi j'essaye de les faire, ça rend pas très bien. Du coup, je suis obligé d'engager des gens. Et ça, ça coûte de l'argent. C'est pourquoi j'ai besoin de sponsors. Et aujourd'hui, c'est le retour de Odoo, qui est partenaire de cet épisode. Odoo, c'est un logiciel à destination des entrepreneurs. Il regroupe tout un tas d'applications pour vous aider à gérer votre entreprise, comme la compta, créer des factures, gérer vos inventaires, ou encore, comme moi, la création d'un site internet. C'est simple et rapide à faire, parfait pour les gens qui n'ont aucune compétence en web design. Les gens comme moi. De plus, comme pour toutes les autres applications Odoo, la première est gratuite à vie. Vous ne commencerez à payer que si vous ajoutez une seconde application. Avec Odoo, la réalisation d'un site web ne prend que quelques minutes et tout est personnalisable. De façon très intuitive, vous n'avez qu'à glisser-déposer des blocs déjà réalisés, puis ensuite les personnaliser comme bon vous semble. Ajouter des images, des vidéos ou encore du texte, et en cas de panne d'inspiration, Odoo est d'ailleurs directement relié à ChatGPT. Choisissez les couleurs de votre site, dynamisez les éléments qui le composent avec des animations, ou encore appliquez la typographie de votre choix à l'aide de Google Fonts. Et pour finir, l'hébergement et le support sont inclus en illimité et vous avez un nom de domaine offert pendant un an. Pour en apprendre plus, cliquez sur mon lien en description. Encore merci à Odoo pour son soutien et bonne vidéo. Ce jour-là, l'Amérique est attaquée par surprise par une flotte japonaise sur la base de Pearl Harbor à Hawaï, jetant les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Le raid contre Pearl Harbor est vécu comme un véritable traumatisme. L'Amérique vient d'être attaquée sur son sol sans que personne ne semble avoir vu le coup venir. Le pays vient d'être humilié, et il faut vite trouver un coupable. Un vent de panique se répand en Amérique.
Le Japon vient d'attaquer Hawaï. Et devinez qui est la communauté étrangère la plus présente à Hawaï et sur toute la côte ouest ? Les Japonais. En quelques jours, un profond racisme anti-japonais ressurgit. Une paranoïa qui remonte au 19e siècle. Regardez ces affiches, elles datent respectivement de 1886, 1916 et 1935, soit des années avant la Seconde Guerre mondiale. Ce racisme anti-asiatique est en fait ultra présent aux États-Unis depuis un moment. C'est ce qu'on a appelé en Amérique et en Europe le péril jaune, une paranoïa envers les Asiatiques qui est née après une vague migratoire venue d'Asie à la fin du 19e siècle. Selon les Blancs, ces immigrés asiatiques menaceraient leurs emplois et la domination de l'Occident. Au sein de cette migration asiatique, on retrouve beaucoup de Japonais, qui au début du 20e siècle viennent s'installer principalement à Hawaï et en Californie. Si dans un premier temps ces émigrés venaient travailler pour gagner un peu d'argent avant de rentrer au Japon, à partir de 1907, ces émigrés commencent à s'installer durablement aux États-Unis. Mais les Américains vont rapidement mettre fin à ces arrivées. En 1924, une loi fédérale interdit l'entrée de nouveaux émigrés japonais. Cette nouvelle loi interdit aussi aux nouveaux venus d'obtenir la nationalité américaine. En fait, seuls leurs enfants, qui sont nés sur le sol américain, peuvent obtenir la nationalité, grâce au droit du sol. La communauté japonaise aux États-Unis se découpe donc en deux catégories. D'abord, ce qu'on appelle les Issei, et qui sont souvent des adultes venus du Japon qui ne peuvent plus obtenir la nationalité américaine depuis la loi de 1924. Et les Nissei, qui sont les enfants de parents venus du Japon qui naissent aux États-Unis, et qui par le droit du sol obtiennent automatiquement la nationalité américaine. Ces enfants sont pour la plupart éduqués à l'occidental et n'ont jamais mis un pied au Japon. Pourtant, des années après, ces immigrés ou ces fils d'immigrés japonais, pourtant parfaitement intégrés dans la société américaine, vont devenir des ennemis aux yeux de Washington. On va les voir comme des traîtres qui comploteraient pour permettre la victoire du Japon. Et c'est cette paranoïa raciste qui va pousser le président Franklin Roosevelt à prendre l'une des décisions les plus honteuses de l'histoire des États-Unis. Lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale en 1939, le président Roosevelt s'aligne sur l'avis général de la population, qui refuse que les États-Unis interviennent dans ce qu'ils considèrent être comme un énième conflit entre Européens. Parallèlement, pour les Japonais installés aux États-Unis et leurs enfants, après avoir vécu une période d'exclusion et un fort racisme, surtout dans les années 20 et les années 30 après la crise de 29, au début des années 40, la phobie anti-asiatique s'est un peu calmée. Mais tout change avec Pearl Harbor. Après l'attaque, la méfiance et le racisme anti-japonais refait surface. Le cliché de l'asiatique fourbe et manipulateur réapparaît, alimenté en partie par cet homme, William Hearst, un richissime magnat de la presse qui ravive la peur du péril jaune à travers ses journaux. C'est au même moment que se propage un mythe que les journaux de Hearst vont largement alimenter, celui de la 5e colonne, qui prétend qu'il y aurait des agents japonais infiltrés aux États-Unis pour renverser l'État. The fifth column, spies, saboteurs and traitors are the actors in this new strategy. À l'origine, le terme de 5e colonne date de la guerre d'Espagne. Il était utilisé par le nationaliste Emilio Mola pour évoquer ses agents infiltrés à l'intérieur du camp républicain pour le déstabiliser. Eh bien, aux États-Unis, c'est exactement pareil. On a peur que le pays ne soit infesté par des milliers d'agents ennemis. Et cette paranoïa ambiante va rapidement se propager au plus haut sommet de l'État. Dans les deux mois qui suivent Pearl Harbor, le FBI arrête 1300 Japonais accusés d'espionnage ou de complot contre les États-Unis. Sauf que ces arrestations ne se basent sur pas grand-chose. En réalité, la plupart des gens arrêtés sont des prêtres bouddhistes ou shintoïstes, des enseignants et plus généralement des chefs de communauté. En gros, des personnes influentes au sein de la communauté japonaise. En vérité, rien ne vient accréditer la thèse d'un complot fomenté par les Japonais américains. En fait, dès 1941, on sait que ces accusations ne reposent sur rien. Le directeur du FBI, John Edgar Hoover, est même obligé d'intervenir en écrivant au gouvernement pour l'informer que le FBI n'a aucune preuve d'un tel complot.
Les personnes d'origine japonaise vont même se défendre en affichant publiquement leur soutien aux États-Unis sur la devanture de leur magasin. Mais rien n'y fait, les choses vont aller beaucoup plus loin. Sous la pression de gradés comme le général DeWitt, chargé de la défense de la côte ouest, ou du secrétaire général de la marine Frank Knox, qui recherche désespérément des coupables à Pearl Harbor, l'idée de mettre l'entièreté de la population nippo-américaine à l'écart commence à émerger. Le 19 février 1942, Roosevelt promulgue l'ordre exécutif 90-66. Ce décret du président américain permet au secrétaire d'État à la guerre et à l'armée de définir des zones militaires sur le sol américain, d'où certaines populations peuvent être exclues, pour éviter tout risque d'espionnage ou de sabotage. Pourtant, si on lit ce décret en détail, on voit qu'aucune population n'est spécifiquement visée. Le texte parle seulement de toute personne qui pourrait porter atteinte à l'intérêt national. Mais dans les faits, ce sont bien les Japonais américains qui vont en être les principales victimes. Le décret 90-66 est probablement l'une des décisions les plus brutales et injustes jamais prises par un président américain contre ses propres concitoyens. Alors qu'on est quand même au pays de la ségrégation. D'autant plus que les gens visés ne sont pas des immigrés qui viennent d'arriver. On parle de gens qui sont là depuis plus d'une génération. Ils travaillent, ils tiennent des commerces, ils paient des impôts, et pour les plus jeunes, ils sont même officiellement citoyens des États-Unis. Ce décret va donc autoriser l'arrestation de milliers de personnes sans raison valable, mis à part leur origine. En février 1942 ont lieu les premières arrestations. La plupart ont lieu sur la côte ouest où vivent la majorité des Américains d'origine japonaise. Car oui, ces arrestations n'ont pas lieu sur tout le territoire. Par exemple, à Hawaï, sur les 160 000 personnes d'origine japonaise, seules 2 000 sont arrêtées. Ça s'explique par leur trop gros nombre. 35% de la population de l'archipel était des personnes d'origine japonaise. Donc c'était compliqué d'arrêter tous ces gens. D'autant plus que la loi martiale était déjà appliquée à Hawaï depuis l'attaque de Pearl Harbor, ce qui fait que tout le monde était déjà plus ou moins surveillé. Et à l'inverse, pour tous ceux qui ne vivent ni sur la côte ouest ni à Hawaï, c'est justement parce qu'ils sont trop peu nombreux qu'ils ne sont pas inquiétés. En suivant le décret 90-66, une zone d'exclusion va donc être appliquée tout le long de la côte ouest. Les autorités placardent des pancartes comme celle-ci, qui donnent des instructions à l'attention de toute personne avec des origines japonaises, étrangers et non étrangers, leur demandant de se présenter dans le but d'une évacuation. Dans un premier temps, il s'agit d'une évacuation volontaire. Puis, à partir de mars 1942, l'ensemble des Nippo-américains sont forcés d'évacuer par l'armée américaine. Entre février et juin, environ 110 000 personnes, dont 70 000 Nissais, sont expulsées de chez eux. Ce sont souvent des familles entières que l'on force à partir. Ils doivent abandonner leur logement et, ceux tenant des boutiques, doivent les vendre rapidement. On ne les laisse emporter que quelques affaires, le reste de leurs biens sont saisis ou abandonnés au pillard. Dans la grande majorité des cas, les personnes arrêtées ne récupéreront jamais leurs biens après la guerre. Comme de véritables prisonniers, ils reçoivent un numéro de matricule à accrocher sur eux et sur leurs affaires. Des centaines de bus sont réquisitionnés pour transporter ces nouveaux prisonniers. La police et l'US Army escortent ces convois jusque dans des camps d'internement construits à la va-vite dans des zones isolées et arides de l'Ouest américain. Pour ces familles, c'est le début d'un très long internement qui durera pour certains jusqu'à 4 ans. Lorsqu'ils arrivent dans ces camps, les nouveaux internés découvrent de longues rangées de baraquements austères entourés de barbelés. Japonais, étrangers ou bien citoyens américains d'origine japonaise, aucune distinction n'est faite. Dans tous les cas, tous leurs droits leur sont enlevés. D'abord internés dans des camps de fortune dits d'isolation, qui sont souvent d'anciennes fermes, où les nippo-américains vivent et dorment dans de vieilles étables qui sentent encore les excréments, ils sont ensuite transférés dans l'un des 10 camps de concentration construits pour l'occasion. Le premier à voir le jour est le camp de Manzanar en Californie, puis Poston, Gila River, Tulake, Topaz, Minidoka, Earth Mountain, Granada, Rower et enfin Jérôme, dans lesquels sont à chaque fois internés entre 8 000 et 19 000 personnes. Au mois de décembre 1942, l'objectif que s'étaient fixé les autorités est atteint.
Environ 120 000 Nippo-Américains ont été déplacés et enfermés dans les camps. Pour administrer ces camps, les Américains créent la War Relocation Authority, littéralement l'autorité de déplacement de guerre. Parce que oui, Roosevelt et son administration savent très bien que ce qu'ils font va à l'encontre de la Constitution. C'est pourquoi ils utilisent un vocabulaire très précis. Officiellement, on ne parle pas de camps de concentration, mais de camps de réinstallation. Les Nippo-Américains ne sont pas emprisonnés, mais déplacés et relogés. Et les Nissais ne sont pas appelés citoyens, mais non étrangers. Bref, vous avez compris. Ce qui montre quand même bien que tout en haut, on n'assume qu'à moitié. Il faut avouer que l'existence de ces camps, ça la fout un peu mal quand on prétend combattre au nom de la liberté. Tout est donc fait pour minimiser l'aspect honteux de ces camps. C'est pourquoi on cherche à rassurer le public américain en leur disant en gros de ne pas s'inquiéter. Vous inquiétez pas, on gère la situation. Vos voisins qu'on a arrêtés et mis de force dans des bus sont bien traités, pas de soucis. De toute façon, ce sont même pas des vrais prisonniers. Pour ça, on engage des personnes comme la photographe Dorothea Lange, mais aussi Ansel Adams ou Russell Lee pour photographier la vie dans les camps. Dans le but, évidemment, d'y montrer les bons côtés. Des familles heureuses et bien traitées, des enfants qui jouent, étudient, apprennent la musique, et des adultes qui travaillent, font du sport, cultivent leur potager ou se créent un jardin zen. Mais toutes ces photos ne montrent pratiquement pas l'envers du décor. Les miradors, les kilomètres de barbelés, et les gardes armés souvent animés par un racisme anti-japonais. La War Relocation Authority fait même réaliser cette émission en 1943. Pour expliquer et justifier l'internement des Nippo-Américains. When the Japanese attacked Pearl Harbor, our west coast became a potential combat zone. Living in that zone were more than 100,000 persons of Japanese ancestry, two-thirds of them American citizens, one-third aliens. We knew that some among them were potentially dangerous, but no one knew what would happen among this concentrated population if Japanese forces should try to invade our shores. Military authorities therefore determined that all of them, citizens and aliens alike, would have to move. This picture tells how the mass migration was accomplished. C'est clairement de la propagande. On y apprend par exemple que les pêcheurs pourraient informer l'ennemi des allées et venues des navires militaires. Ou encore, l'émission pose la question de quel camp les Nippo-Américains pourraient choisir en cas d'invasion. En réalité, seule Dorothea Lange, déjà connue pour ses photos engagées en faveur des plus démunis pendant la Grande Dépression, sera la seule à montrer la réalité des camps. Elle suit et photographie les internés dès le début de leur calvaire. Du moment où ils sont informés qu'ils doivent abandonner leur logement, puis pendant leur évacuation, puis enfin elle montre la vie quotidienne dans les camps. Ces précieux documents permettent d'entrevoir dans quelles conditions les internés nippo-américains vivaient. His impression was, yeah, we stayed in stables and it was really bad. It was cold, we didn't have food, you know, the food was bad. They weren't able to bring anything that they needed because they were allowed just two bags. It was pretty tough. I mean, he wasn't happy there. There were blocks that were established. And there were guard towers with two guards and a machine gun. Et oui, en dehors de la propagande, les conditions de vie pour les internés sont évidemment très difficiles. Ils n'ont presque aucun confort ni aucune intimité. Ils dorment dans les mêmes pièces sur des lits de camp et les toilettes et les douches sont toutes collectives. Chaque jour, deux appels sont réalisés et un couvre-feu strict est imposé le soir. Ils doivent subir les aléas climatiques comme les tempêtes de sable, une chaleur écrasante en été ou l'hiver glacial. Si les enfants bénéficient de salles de classe, avec parfois des professeurs blancs venus de l'extérieur, les adultes doivent eux travailler contre un salaire dérisoire. Certains patrons feront même pression pour prolonger cet enfermement, pour continuer d'utiliser cette main-d'œuvre à bas coût. Seuls les internés qui ont su montrer leur loyauté envers leur pays d'adoption reçoivent des laissez-passer pour aller travailler en dehors des camps.
Au fil du temps, ces lieux se transforment en véritables petites villes. Les internés aménagent leur baraquement, on y fait des enfants, on s'y marie, on travaille, on fête Noël et on y meurt. C'est pourquoi je me dois quand même d'apporter une nuance très importante. Ces camps n'ont rien à voir avec les camps de concentration des nazis ni au goulag soviétique. Ici, il n'était absolument pas question d'éliminer ces gens, juste de les mettre à l'écart. Certes, on les a privés de leurs droits, on les a traités comme des ennemis et on les a enfermés dans des conditions très spartiates, mais en revanche, même si c'est vrai que ces camps ressemblent visuellement beaucoup à ce que les nazis faisaient à la même période, avec ces longues rangées de baraquements identiques, les nippo-américains étaient globalement bien traités, ils étaient bien nourris, et malgré le climat raciste anti-japonais de l'époque, les violences physiques étaient assez rares. C'est pourquoi le patriotisme des nippo-américains est pour beaucoup resté intact. Il faut dire que la propagande allait dans ce sens. Il fallait expliquer que ce qui était demandé aux nippo-américains était un sacrifice nécessaire et qu'il s'inscrivait dans un effort de guerre plus global. This is the greatest country in the world. All immigrants have to pay a price. This is the price that we have to pay as Japanese Americans. So we'll go to these camps, we'll prove how loyal we are, and we'll come back home. Beaucoup ont alors pensé qu'en se montrant suffisamment loyaux envers l'Amérique, ils pourraient, à la fin de la guerre, être pleinement considérés comme des citoyens américains comme les autres. Mais la suite va leur donner tort. Donc voilà, c'était pas les camps nazis ou le goulag, mais c'était pas non plus Club Med. On parle quand même de gens qu'on a privés de leurs droits et de leurs biens de façon totalement arbitraire. Et puis on était quand même dans un contexte de guerre. D'ailleurs au même moment, il existait aussi des camps qui enfermaient des personnes d'origine allemande et d'origine italienne. Mais leur nombre était bien inférieur à celui des nippo-américains. Les protestations étaient donc rares, même si il y a eu quelques cas de résistance. Il y a par exemple eu des grèves de la part de travailleurs dans le camp d'isolement de Santa Anita. Mais le cas le plus connu est celui de Fred Korematsu. Un homme qui, après avoir été arrêté pour s'être opposé à son transfert dans les camps, fit appel à la Cour suprême, mais qui jugea que l'enfermement de Korematsu et des autres nippo-américains était justifié par le contexte de guerre. Malgré ça, l'opinion vis-à-vis des internements évolue, et dès la fin de l'année 1944, de premiers nippo-américains, pour la plupart des Nissais, sont libérés, même si la zone d'exclusion le long de la côte ouest reste d'actualité. Mais voilà, après des mois de combats acharnés dans le Pacifique et deux bombes atomiques, le Japon dépose finalement les armes le 2 septembre 1945. Les milliers de personnes incarcérées sont petit à petit libérées. Les derniers ne retrouveront la liberté qu'en mars 1946, date à laquelle le dernier camp de Tulek fermera ses portes, plusieurs mois après la fin de la guerre. Après ça, une fois libérés, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils reçoivent juste un ticket de bus et 25$ pour rentrer chez eux. Après l'humiliation d'avoir été traités comme des prisonniers, ils doivent affronter l'administration américaine pour tenter de récupérer leurs biens et trouver du travail. Mais dans des endroits comme le quartier de Little Tokyo à Los Angeles, là où vivait la plus importante communauté japonaise en dehors d'Hawaï, les nippo-américains ne peuvent plus récupérer leur logement et ils font face à une forte hostilité à l'encontre des Japonais. Beaucoup se retrouvent donc forcés de se disperser et de s'installer à l'est des États-Unis, vers des villes comme Chicago ou New York, moins hostiles aux Asiatiques. Ah oui, et vous voulez un truc absurde en plus ? Les personnes libérées des camps sont obligées de suivre des conférences un peu spéciales. Ils sont par exemple obligés de suivre des conférences pour apprendre comment se faire des amis aux États-Unis, ou bien comment se comporter à l'extérieur de chez soi. Bref, des trucs complètement idiots qui les infantilisent et qui les fait passer pour des gros débiles. Alors qu'encore une fois, on parle de gens qui vivent et qui travaillent aux États-Unis depuis parfois de très nombreuses années, voire même pour certains qui y sont nés. De manière globale, la communauté japonaise n'est pas prise au sérieux, ce qui fait que beaucoup de gens qui ont été dans ces camps vont avoir honte, et très peu vont oser s'exprimer sur ce qui s'est passé. Du coup, leur histoire va tomber dans l'oubli pendant un long moment. Après la guerre, le sombre épisode des camps de concentration américains est totalement occulté, et on n'en entendra pratiquement jamais parler pendant de nombreuses années.
en même temps, ils venaient de gagner une guerre contre les dictatures, le fascisme, le totalitarisme et tout ça. Donc c'était pas le moment de crier sur tous les toits que eux aussi, ils avaient fait des trucs pas jojo. Il faut attendre 25 ans, dans les années 70, en parallèle de la lutte pour les droits civiques portée par les Noirs et les natifs américains, pour que la parole se libère dans la communauté japonaise. Grâce à des organisations comme la JICL, la Japanese American Citizen League, ils racontent ce qu'ils ont subi alors que leur communauté s'est pourtant montrée particulièrement exemplaire. Car oui, j'en ai pas encore parlé, mais pendant qu'une partie de leur communauté était enfermée, 33 000 Nippo-Américains se sont engagés dans l'armée américaine. Parmi eux, certains ont formé le 442e bataillon, qui était uniquement composé d'Américains d'origine japonaise. Certains se sont d'ailleurs engagés alors qu'ils étaient enfermés dans les camps. Ces hommes ont combattu en Italie, en France, puis en Allemagne, où ils ont libéré le camp de Dachau. Le 442e est aussi le bataillon qui a reçu le plus de décorations et qui a encaissé le plus de pertes de toute l'histoire militaire américaine. Rien que ça. Et des Américains d'origine japonaise, il y en a eu aussi sur le front Pacifique, contre le Japon, qui ont servi notamment comme traducteurs pour les services de renseignement. Et ça, l'armée américaine, bizarrement, ça semble pas l'avoir dérangé d'avoir eu des Japonais dans ses rangs, alors qu'au même moment, sa propagande les faisait passer pour des espions et des saboteurs. Et c'est justement ce paradoxe que dénoncent les militants. Vous nous avez enfermés sans aucune raison valable, alors qu'on vous a aidé à gagner la guerre. Toutes ces protestations vont pousser le président Jimmy Carter à mettre en place une commission au Congrès américain pour établir la vérité sur ces camps. Les autorités américaines finissent par reconnaître leur tort et admettent que les décisions de l'administration Roosevelt ont été prises sur la seule base de préjugés racistes. En 1983, le jugement de la Cour suprême contre Fred Korematsu est annulé. Et enfin, en 1988, les 82 000 anciens détenus encore vivants reçoivent une compensation de $20 000 chacun. Et le président Ronald Reagan formule enfin des excuses à la communauté japonaise, rappelant que le contexte de guerre ne pouvait justifier ce que les autorités américaines ont fait subir à leurs propres concitoyens. We gather here today to right a grave wrong. More than 40 years ago, shortly after the bombing of Pearl Harbor, 120,000 persons of Japanese ancestry living in the United States were forcibly removed from their homes and placed in makeshift internment camps. This action was taken without trial, without jury. It was based solely on race, for these 120,000 were Americans of Japanese descent. Yes, the nation was then at war, struggling for its survival, and it's not for us today to pass judgment upon those who may have made mistakes while engaged in that great struggle. Yet we must recognize that the internment of Japanese Americans was just that, a mistake. Pour revenir à Dorothée Allenge, la photographe engagée pour photographier les camps, contrairement à ses collègues, elle a montré une face beaucoup moins acceptable de ces internements. Ces photos ont montré des familles forcées d'abandonner toute leur vie. Elles montrent des enfants apeurés et des adultes qui tentent de rester dignes malgré l'injustice qu'ils sont en train de subir. À l'époque, le ton engagé de ces photos lui ont rapidement attiré des ennuis, ce qui fait qu'on l'a très vite mise à la porte. Elle avait été engagée pour montrer la mise en place d'une mesure nécessaire en temps de guerre dans le respect de la Constitution. Pas des enfants apeurés, entourés de soldats qu'on envoyait pourrir en plein désert. Après son renvoi, ces photos seront presque toutes censurées par l'administration Roosevelt et resteront secrètes pendant des décennies. Dorothée Allenge mourut d'un cancer en 1965. Ces photos prises dans les camps n'ont été rendues publiques qu'en 2006. Aujourd'hui, on estime à 1,5 million le nombre d'Américains d'origine japonaise. Malgré ça, toujours aucune journée officielle ne vient commémorer la déportation de leurs ancêtres. Les camps de concentration aux États-Unis restent encore un sujet largement oublié, et la plupart des Américains ne savent même pas qu'ils ont existé. Pourtant, cette décision prise par un Roosevelt sous pression, dans un contexte de peur généralisée, résonne aujourd'hui comme un avertissement pour toutes les démocraties. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous l'avez trouvée intéressante. En tout cas, c'était un sujet très à la fois assez dur à traiter, mais en même temps hyper intéressant et très peu connu, le sujet de l'internement des Nippo-Américains. En tout cas, moi je me suis beaucoup amusé sur le montage, j'ai vraiment aimé faire ça. J'espère juste que je me suis pas trop gouré sur toutes les parties en anglais sous-titrées, parce que c'est moi qui ai fait les traductions.
Donc j'espère que c'était assez clair. N'oubliez pas, comme d'habitude, si vous êtes tombé sur ma vidéo et que vous n'étiez pas abonné avant et que ça vous plaît, et bah n'hésitez pas, parce qu'on a passé les 800 000 abonnés il n'y a pas très longtemps et la chaîne continue de grossir. C'est assez fou, donc merci beaucoup. Et puis voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, tout ce qu'il faut. Et à la prochaine.